Thank you.
Mes chers amis, bonjour à tous, bienvenue ici au Boulodrome de Mâcon pour assister à cette première étape de Ligue 1 et j'ai de la chance aujourd'hui de vous accompagner d'un grand ami. Bonjour Rogers, comment ça va? Salut, salut Aurélien, tout va bien, on est content de se retrouver ici, ça fait quand même pratiquement 2 ans qu'on n'avait pas mis les pieds dans les jeux de boules. Donc nous on est content, mais je pense qu'il y a 96 joueurs qui sont hyper heureux aujourd'hui et qui vont nous présenter un grand spectacle. Donc une première partie ce soir et le restant demain, sachant qu'il n'y a pas de boules le dimanche. Voilà. Donc tout va bien, on est en place, on va faire notre petit essai, notre galop d'essai ce soir. On espère que tout va bien se passer. Essayez de nous remonter le plus d'informations possible. Ça serait parfait. Pas trop nous critiquer quand même, hein. Mais en étant gentil, quoi. Voilà, je vois déjà qu'il y a pas mal de gens qui nous disent bonjour, qui sont proches de nous. Donc, tous ceux qui ont déjà mis quelques mots, c'est bien. Ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, mon ami Virgile. Donc, on va attendre. Vous verrez qu'il y a tous les scores vont être inscrits de toutes les équipes. On va suivre en particulier une et seulement une partie. Ça sera au jeu numéro 2. Et concernant cette équipe, ce sera l'équipe de Joyeuse contre l'équipe de Ballaru. Voilà. Ouais. Bonsoir à tous. Bon, j'ai l'impression que, à première vue, tous les gens ont vraiment l'air contents de recommencer. Il y en a. C'est vrai. Bon, on va essayer de ne pas vous commenter trop les entraînements, parce que ça, on va pas être très avancé. Il y a quelques nouveaux joueurs qui sont arrivés dans les équipes de première division. On essayera tout doucement de vous les présenter. Alors, nous nous trouvons donc au Boulodrome Jean Duclou, le Boulodrome des Trappistines, l'Olympique Mâcon Boule. Sachant que le club bouliste de Mâcon a déjà présenté 7 championnats de France, 4 championnats du monde. Donc ici, on n'est pas dans des terres inconnues aux boulistes. Ils sont quand même 2h30, hein, c'est ça? Deux. Pas 2h30, ça me semble. On va essayer de choper un arbitre. Parce que c'est quand même important de le dire.
de le signaler. Merci Olivier Bacchion. L'œil avisé professionnel, merci. C'est trop, n'en fais pas trop quand même. Les parties doivent durer 2 heures. On vient de nous dire ça. Alors Roger, un petit éclaircissement technique pour nos téléspectateurs. Il faut savoir que vous pouvez suivre donc ce premier direct avec une partie rapprochée, donc tu l'as expliqué, la partie Balazuc-Garcia. Et ensuite, nous avons un second direct où vous avez vraiment une vue globale du boulodrome avec laquelle vous pourrez voir l'ensemble des parties et surtout le score de toutes les parties. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'avoir le score des parties en suivant par exemple sur Facebook, il n'y a pas de problème. Bien sûr, tout à fait. Vous avez vraiment deux directs. Si jamais la partie rapprochée ne vous plaît pas, vous pouvez suivre une autre partie. Voilà. Sur un plan d'ensemble. C'est ça. Entendons-nous bien. Ben, le monde rentre. Ciao Bruno Rougies, bonsoir. Philippe Marquez, bonsoir. Fabio Guillermo, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est gentil de nous suivre. Et oui, Abilio ne joue pas. J'ai appris ça tout à l'heure. Il y a aussi Sébastien Gray qui est blessé. Il ne jouera pas, a priori. Bonjour. Ça va? Ça va. Oui, on parle des couleurs des équipes, elles sont bien marquées, je pense que vous pouvez les voir. C'était important, on l'a fait. Alors il y aura sûrement des imperfections. Vous pouvez nous en parler, vous pouvez nous faire remonter les infos. C'est bien. Bonsoir Bruno Perras. Bonjour bien, mon Roger, t'as la voix. Ça va, ouais, pour le moment. Oh, c'est pas trop compliqué, hein, une partie. Ah, bah une partie, ouais. Mais après, comme je vous dis, il vaut mieux en filmer qu'une. Oui, là, oui. Au niveau des commentaires, c'est mieux. Ouais. Quand tu filmes deux jeux, tu mêles. Tu mélanges tout, des fois, tu sais. Ça n'empêchera pas, puisqu'on n'a pas le tout. On a deux directs, alors, donc c'est bien. Mais c'est bien qu'il y ait une partie qui soit filmée en direct. Voilà. Une seule. Ouais. Voilà, ouais. Salut, Nico. Nico Chat. Les Verts, qu'est-ce qu'ils font ce soir, Nico Chat? Pour le moment. Toi aussi, tu joues pas? On filme le jeu numéro 2 qui est Garcia contre Balazuc.
Fabien Hamard au repos pour cette partie. Fin de surcamp, est-ce que les joueurs, merci de vous mettre en place, s'il vous plaît. Allô, c'est sur la Polycarp. Jessie, machin de Tarare, Eric. Bah oui, bah, voilà, le patron, et puis c'est l'autre, c'est dur. C'est dur. Je connais le jeu. Donc les boules côté se préparer là s'il vous plaît. Pas côté gradin. Allez, on se met en place. Démarrage imminent. En tous les cas, les amis, sachez que nous sommes incroyablement heureux de vous retrouver pour cette saison 2022 de Ligue 1, la première de ces 8 étapes. Espérance au grand terrain 1, Balazic, Garcia, terrain 2. Montagne Le Vieux au terrain 3, Fort du Lac, jeu 4, Villona, Balle, terrain 5, Gopi Chalamel, jeu 6, Langon Mioto, terrain 7, et Mancuso, Chira, terrain 8. Les équipes sont en place. À nos spectateurs, merci d'être à nos côtés. Voici donc le couvre-voix officiel de cette saison de Ligue M1 2022, tellement Roger, attendu. Merci à tous et tous. Ouais, on est en train de champions. On est là. Ça roule. Allez, c'est parti pour 2 heures de jeu. Merci d'être à nos côtés. Je pense que vous avez entendu le coup de sifflet de l'arbitre. Donc, les buts sont jetés. Et début de partie pour Balaruc avec Bertrand Sauchet. Une belle boule qui est à 45 par côté et qui compte. De ce que j'ai pu savoir, les jeux sont pas très faciles au point. Tour de Patrick Ferrand de jouer sur la boule de Bertrand Sauchet. Si ça prend, c'est super bien joué. Si ça prend pas, c'est pas mal. C'est une boule qui est très au cul. Je pense qu'il a repris. C'est une très belle prise. Et qui envoie tout de suite Guillaume Abelfaux au travail.
normalement, l'équipe menée par Romain Garcia est une équipe qui part à l'attaque quand même relativement vite. Bouge pas. Je ne pas du tout. Alors c'est tapé, du coup il conserve le point. Oui. Ah oui, mais... D'accord. Donc il a réussi à la trier seul, hein. Bien tiré, Guillaume, bravo. C'est super bien tiré. Alors pour répondre aux personnes qui cherchent le deuxième direct, n'hésitez pas, il est sur la page de la Ligue 1. La page Facebook. Donc il est sur la page de la Ligue 1. C'est un peu dur à comprendre. Donc Patrick Ferrand, retour au boulot. C'est encore bien joué. Hein. Je ne sais pas s'il a pris, mais c'est vraiment bien joué. On peut avoir une vue d'ensemble car là on ne voit que des pieds. Oui Florian, pour la vue d'ensemble, n'hésite pas, il y a un deuxième direct sur la page Ligue 1 avec lequel vous avez une vue d'ensemble sur l'ensemble du globe. Profitez-en. Compris Florian? D'ailleurs on la salue. Hein. Ah bah bien sûr. Frappe de Guillaume Abelfo. Et le patron de la Ligue M1, Bruno Choublon, va aller faire la reprise s'il le peut. Très belle prise de Bruno Choublon. Ah, changement de tactique, on n'en voit pas Romain Garcia tirer. Mais on va faire pointer la deuxième boule de Bertrand Sauchet. Bonsoir, du coup, non, vous avez un direct avec une partie rapprochée, donc la partie Balazuc-Garcia. Et ensuite, vous avez un second direct avec une vue d'ensemble sur le boulodrome, avec toutes les parties et l'ensemble de tous les scores. Il y a deux fois la même vidéo, la Pauline. Je ne sais pas si tire comme lui, non? Non, hein? Non, je ne sais pas trop. Ouais. Alors, autour de Fred Asensi, puisque Bertrand a loupé sa boule. Fred va tenter la reprise aussi. Et c'est repris. C'est super bien joué. Une reprise devant, comme ça. Ouais.
Donc, c'est Loïc. Loïc Triomphe qui va tirer sa première boule. Ouais. On va voir les éclairs, comment ça se passe. Bien tiré, bien tiré. Il faut repointer puisqu'il y a eu le petit éclat en même temps. Donc c'est Bruno Choulon qui retourne. En termes de boules, on se retrouve à 4 boules contre 4. C'est ça. Bon, ouais. Je crois que Bruno Choulon a repris. Bon, pas gêné. Ça, c'est un... ça doit être un but 5 ou 6 qui est parti là. Les premières boules pour Romain Garcia. Oui, Baptiste Coltarec a tapé un but. A priori, très important, puisqu'il devait faire au moins 5. Je vois qu'ils en descendent de pleine main. 3 et 200 boules. Ça fait du bien. Ça fait du bien. L'équipe de Bondran, c'était un petit plus. Donc pendant ce temps-là, notre ami Garcia a tapé. Et notre ami Romain, il est retourné. Parce qu'il a repris. Jesse Mancher a repris. Pour répondre à Théo Walcott et plein d'entre vous, il suffit d'aller sur la page Ligue M1 et vous avez deux directs différents. Le premier avec cette partie rapprochée. Et le second avec l'ensemble des parties. Un trou pour Romain. Et là, on se retrouve à deux boules contre une. Deux boules contre une en faveur de Balaruc. Oui, Balaruc. Balazuc, pardon. Ouais. Il a bien fallu qu'elles tombent l'une contre l'autre, ces deux équipes, quand même. Oh, la paix joyeuse. Hein. Allez, la boule de Fred, juste vers l'écran. Hop là. C'est bien scolé, perfection, c'est bien joué. Ouais, il ne peut pas tirer. Jesse Mancher ne peut pas tirer, c'est pas possible. C'est prendre trop de risques. Thank you.
Ouais, mais j'ai si bon chèque qu'il va faire. Ah. On ne sait pas, là, si je le prends derrière, ce que ça donne. À mon avis, un peu fort, ouais, mais les distances, c'est difficile à aller. Qu'est-ce que le maître... Alors, notre petit retraite Loïc Triomphe est au point de la dernière boule. Pour l'équipe de la Côte Saint-André, qui a resté une mène de 5 points pour bien éviter cette rencontre. 5 à 0 face à Escamanti, l'OGC. Et là, ça va faire du 1-0. Pour Joyeuse, à la ZUC de Joyeuse. Confirmation 1, Lyon à Oula. Même le polo Battistella, il regarde un petit peu le... les verts. Merci Jérémy Machabert. Ils disent qu'il n'y a pas de second, le second en direct. Théo Walcott. Sur le terrain de premier point pour Belazuc, l'équipe de Joyeuse, 1 à 0 face à Garcia. Malheureusement. Bah écoute, toutes les équipes ont tourné en même temps pratiquement. Donc il doit y avoir des mises à jour à faire qui vont arriver sur vos écrans. Alors, Guillaume Abelfaux qui tire la boule. Casquette pas vénère. Montagne. La Croix-Lyon qui mène 1-0. Face à Levieux, Fontaine. Sur la voûte de Patrick Ferrand, qui a fait 5-6 cm sur la gauche, avec cette casquette, c'est tout. Donc on se pose la question de savoir si on y retourne tout de suite ou pas. Je crois que Bertrand a envie de pointer. Et il va pointer. C'est Bulac, la tour de Savani, qui a inauguré le tour de la rencontre, même de 3 points. 3-0 face à Fort Valençon. Soyez patients, on a un technicien qui est arrivé qui va essayer de nous ranger ça. De direct, je pense qu'il y a. Non, pas de deuxième direct, Babas. Bertrand Souchet a manqué sa première, complètement à gauche, elle a traversé, je ne sais pas pourquoi, il avait bien le poids, et celle-ci, elle est en train de traverser de l'autre côté, complètement. Elle est même presque fermée. Ouais, pas terrible. Hein. Laurent Didier, moi, ça marche nickel.
Abilio ne joue pas. Ça, je peux vous le dire. Il a bien démarré la rencontre également. 4-0 face à balle. Pinder. Eh oui, ma Pauline. On boit une petite coupette. Alors, c'est Fred Asensi qui reprend le au point. Il va essayer de reprendre. 46 d'Autrigo Métropole, 2-0 face à Chalamet. Je pense qu'il a repris, à mon avis. Et... oui. Voilà. Et il envoie Loïc Triomphe au tir. Ah bah tout le monde dit que ça marche bien maintenant. 47 l'Androlé, donc l'Androlé, l'équipe de 7 mène 2-0 face à Mioto Bellegarde encore. Et même score de 2-0 sur le terrain 8 pour Montego, la formation de Saint-Michel de Maurienne face à Chira ainsi. C'est tapé pour le Triomphe. Bien, on s'aperçoit que les gens sont vraiment contents de nous avoir retrouvés ce soir. Hein. Il y a de la grosse conversation quand même. Il y a de la présence. Ah, il va être un peu court cette fois-ci. Eh oui. Fred Asensi un petit peu court. Je crois, ouais, je suis pas vraiment sûr. Oui, c'est ça. On est au but. De toute façon, on allait y être. Hein. Comme quoi, une casquette change le cours d'un jeu quand même. Hein. Au départ, ça paraît anodin et à la sortie. Oh. Bah, la rue qui reste debout, là il y en a trois de marqués là. Je te le dis parce que on te fait voir que je suis la partie quand même. Il restait debout là. Il ne reste même plus qu'une maintenant. C'est ça. Hein ? C'est ça. Voilà. Alors comment ça se met à jouer ? Pour ? Ah ouais, bien aussi le boulot. C'est le pire ça. Sûrement. Ah si. Faut pas dormir. Hein. Non. Ah non, faut pas dormir, non. C'est le plaisir, Rogers. Tu vois l'envers du décor. Mmh. Non, mais c'est bien, ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La Pauline du Saillant, ça marche toujours pas chez elle, ce deuxième direct. Alors, je confirme, hein, c'est normal, on a un petit souci là-dessus. Ah. Faire le maximum pour... Boule sifflée. Boule sifflée à qui ? Bon, bah écoute, pour être beaucoup plus précis, je vais te dire qu'il reste 6 boules dans les mains de... D'ailleurs, tu ferais quoi ? Tirer le but aussi ? Je pense que c'est le jeu quand même. C'est le jeu. C'est le jeu parce qu'ils n'en font jamais 5 en pointant. Je pense pas. Avec cette boule de devant qui est collée. Ça veut dire que si tu attaques les boules, t'en supprimes déjà un point. Donc autant tirer le but et essayer de faire un beau truc. C'est bien. C'est une bonne tactique, à mon avis. Trou. 10 derrière.
Pavas non plus, ça marche pas toujours. Confirme, ça marque erreur. Donc c'est en cours de... Hein? En cours de maintenance, voilà. Mais j'ai un technicien à côté de moi, ça va bien. Ça. Et là, c'est pas pratique? Je vois pas. Oui. Un point de plus. Pour l'équipe de Joyeuses. Un point de Patrick Ferrand. C'est bien, très très bien pointé, très bien joué. Magnifique. Et maintenant, c'est au tour de Bruno Choublon d'essayer de rajouter un petit peu. Le son est un petit peu faible. Ah, c'est fait. Alors, il y en a un qui me demande si les arbitres n'ont pas perdu leur sifflet pendant la pandémie. Oui, on nous a mis au courant, donc il y a marqué erreur, c'est vrai. Et c'est en cours de... La maintenance est dessus. Bien dommage. Comment ça se dit, il y en a qui l'ont ? Ah si. Je crois qu'il y en a trois là-bas, hein, déjà. À mon avis. Hein. Je vois pas. C'est pas possible ça. Non, elle descend. Elle est descendue. Ouais, ouais. Ouais. Et il y en a trois. Donc il reste une boule. Deux boules à. Ah ouais. Jessie peut mettre encore un point ou deux, mais c'est possible. Oui, bah, je sais pas s'ils ont perdu leur, leur sifflet ou pas, mais d'habitude, Christophe Levaillant, c'est pas un gars qui bricole avec le sifflet, normalement. Je le connais plus particulièrement que l'autre. Alors, la composition qui a commencé Goffi. La composition, c'est Poyet, Percherancier, Rennes et Jarige. Voilà. Alors pour la vue globale, à la fin de la manche, je vais regarder et si jamais ça va pas, je vais l'intégrer justement à ce direct, comme ça vous y aurez accès. Waouh. Roger, ça te fait peur? Ah bah non. Arrête. Qu'est-ce qu'il a fait, Jessie? Il y en a 4, il a rajouté. Il a rajouté. Ah ouais. Regarde. 4, ça fait presque le coup du but. Hein. C'est pas mal déjà. Si le met, ça fait 5. Ah non, perdu là. Ouais, elle est perdue. 4, c'est bien. Hein. Choum, lam, on a le son, mais pas l'image. J'espère que c'est pas partout comme ça. Non. T'es tranquille, toi. Ah, t'es un requin, toi. Bon, et bien, on va mettre le score en place. Ça fait donc du 5 à 0, c'est ça? Hein? 5 à 0 pour Joyeuses. Balazuc de Joyeuses. Et un but et un bon milieu-jeu, légèrement sur la droite, en descendant. Tiens. Il a qu'à prendre la mienne. Quand même. Allez, Mathia. Allez.
super première boule de Patrick Ferrand. Sur le parapet, décollage au score pour les. Il nous a fait un. Bientôt l'équipe de Bellegarde en soirée qui marque son premier point. L'Andro, 7 mène 2. Qui envoie déjà. À Belfaux, Guillaume à Belfaux au tir tout de suite. Baguette, baguette. Allez. Sur un 6, deux points supplémentaires pour Lyon Métropole Dauphy. 4-0. Il y a des gens qui disent que ça marche. Et ça marcherait bien. Regardez, petite surprise, rien pour toi, Rogers. Oh, elle est pas bonne. 5-5. Un point supplémentaire. Oui, c'est sûr. Pour Lidona Sobilba dans le. Non, c'est vrai, c'est bien. Le derby entre équipe de l'un. Donc là, voilà la vue globale. À balle, une jeu. Et on fera des transitions entre chaque joueur histoire que tout le monde puisse le voir. Alors, comment ça se fait qu'il y en a qui voient mieux que d'autres? C'est pour Guillaume. C'est pour Guillaume. Pour Montaigne, l'équipe de Saint-Michel de Morienne, qui confirme son bon début de rencontre. 6-0 face à Chiron. 1-6. On déjà la demi-heure de jeu. Hein. Patrick Ferrand. Ouais, oui, ça va y quand même. Hein. Patrick Ferrand va retourner. Essayer de refaire encore un tiré. Il a fait tirer de boule quand même à. Guillaume Abelfaux, c'est une belle chose pour eux. Ouais, c'est une très belle image. Hein. Joli boulot de Rome, puis alors avec le fait d'avoir des maillots un petit peu bien tranchants chacun, c'est bien. Un point supplémentaire pour la formation de la tour de Saint-Denis-du-Lac qui mène 4-0 contre Fort Valentin. Merci, c'est pas mal joué, peut-être un petit peu court quand même. Là-dessus, ça fait. On sait où, mais là. Elle est 1m20 à peu près devant et sur la droite. C'est pour ça que je voyais pour lui. D'accord. Bon, après, c'est l'habitude. C'est une des. Ouais, mais c'est une des premières boules qu'il a manqué, hein, oui. Patrick Ferrand. Au tour de Balazic, l'équipe de Joyeuse a ajouté 4 points à son compteur. Hein, 5 à 0 contre Gartia. Bien sûr qu'elle est dedans. Elle est dedans, on ne sait pas. Vivant sur le terrain numéro 1, la mi-portée est franchie. Grand-Rand, la Côte d'Assemblée mène 7 à 0. Face à l'OGC Nice, Escamon. Bien joué de la part de Bertrand. Bertrand, son chien. Il est tour de Lilian Riveau pour l'équipe forte. Regardez. Et tir de Loïc Triomphe sur la boule pointée de Bertrand Sauchet. C'est bon taper. Alors, ça, nous avons dû taper en faveur de l'UCI parce qu'il y a un feu à nouveau pour le Stiamantine
rejoint les 3 minutes pour terminer la mène. Donc le score a changé. On va toujours 7-0. Je n'ai pas vu. Je regardais la discussion qu'il y avait pour changer un joueur dans le jeu numéro 1. Le problème, c'est que il faut savoir qu'aujourd'hui, les stats des tirs et des points sont faites par le joueur remplaçant. Et pour changer un joueur, il ne peut pas y aller, Jordan. Je vois que c'est le, je vois qu'il y a un problème, ça se sent dans l'équipe. Alors, bon, encore une belle boule, hein, dis donc. Ils ont trouvé le jeu, là, les gars. Visiblement, bien dans l'axe. Je ne me rappelle même plus du score que tu m'as donné, là. Un jeu, hein. On va aller voir. Ouais, ouais, non, mais attends, ça passe pas. Regardez, tirer. J'ai le 6, ça doit être sa première boule qui tire, d'ailleurs. Dans le rongé, c'était bien sa première. Ok, tapé, c'est bien. La tribune est bien remplie, ça fait plaisir. Mais oui, mon Momo. Samuel Benda, salut Roger, y a-t-il eu des escargots de Bourgogne? Oh, on ne peut pas dire que ça soit du vrai Bourgogne, c'était plutôt de la limace. Quelques limaces, mais des escargots de Bourgogne, non. Pardon ? Encore une boule bien jouée, c'est la même. Sur le plan à 3, l'équipe de Fontaine a pris l'avantage. Le vieux mène 3-1 face à la poule Montagne. Salut Polo. Polo Battistella. Encore une frappe de Jesse Banchet. Très bien. Rien à dire pour le moment, ça tourne bien. Ça doit être 0, ça. C'est 0. Romain Garcia qui va pointer. Romain Garcia qui va pointer suite aux frappes de Jesse Banchet et qui met une très belle boule encore, hein, qui reprend tranquillement, bien. Boule à 50 devant, c'est bien. Je te confirme, Roger, Esclamantie Gondran qui mène 7 à 0. Ah, voilà. Oui, ben c'est ça. 7 à 0. Oui. Montagne le vieux qui mène 3 à 1. Montagne le vieux 3 à 1. D'accord. Eh oui, mon Jean-Marie. On fait ce qu'on peut. Hello, Mr. Rogers. Franck Bernard, l'artiste. Ouah. Un petit trou de Bruno Choublon. Fort du lac. Du lac qui mène 4 à 0. Didona balle. Didona 5 à 0. Goffi Chalamel. Goffi 4 à 0. Un choc là. Hein. Goffi Chalamel, c'est un choc, je te dis. Franchement, c'est deux équipes de même, à peu près de la même valeur. Landro Mioto, un peu plus serré, on est à 2-1. Alors là, il y a un
quoi, une boule dans chaque main. Oh, ça va mon bibi. Et Yakuzushira 6-0 pour la team Shira. Le petit Abelfaux. Ça c'est un bon joueur. Nicolas Abelfaux. C'est vraiment un super mec. Regardez un peu du global, le tir de Sébastien Mourde, réussi. Julien Molager aussi, carreau. Ah. Sur la droite de l'écran. Ouais, pas carreau en place quand même. Hein. Carreau glissé, glissé, glissé. Ouais, on est dans le style des limaces, on n'est pas vraiment dans l'escargot, pas l'escargot de Bourgogne celui-là. Ouais. Alors, c'est Romain Garnier qui va tirer à l'écran. Eh oui, ma cocotte. La boule de Romain Garcia qui sort du cadre. Un point pour eux. Bah, la rue qui est le compteur, alors. Voilà, c'est ça. Nous sommes d'accord. Et on arrive à 5 à 1 pour Joyeuse Balazuc. L'importance aussi de jeter un but. On voit, on discute avant de pointer le but. C'est ce qu'a fait Fred Asensi avec ses collègues. En face, le but doit aller à un certain endroit et on essaye de s'en approcher le plus possible. Alors c'est vrai que c'est plus difficile maintenant parce qu'on a des buts qui ne font plus les mêmes poids que les autres faisaient tout avant. Mais on essaye d'aller au mieux. Avec deux superbes coups de canon de Julien Malagé qui a fait deux charmants dans cette lane. C'est unique aussi. Offre encore plus de difficultés. Même de 6 points, hein, on peut lancer qu'une seule fois le but. Oui, les chambres, j'ai vu des. Parler là. Faut pas les louper, hein, les buts, attention, c'est important. Alors, juste une petite mise au point là, question stat. On me dit que Patrick Ferrand est à 5 sur 6 au point, Bruno Chouvelon 3 sur 5 au point, et 0 sur 1 au tir. Jesse Blanchet, 2 sur 3 au point et 2 sur 2 au tir. Loïc Trion, 1 sur 1 au point, 4 sur 5 au tir. Romain Garcia, 0 sur 2 au point, 1 sur 4 au tir. Fred Asensi, 5 sur 6 au point. Guillaume Abelfaux, 4 sur 6 au tir. Bertrand Sauchet, 3 sur 6 au point. Voilà, c'est juste une petite mise au point qui est c'est intéressant de voir. Bah, gros avantage à nos deux pointeurs, voilà, Patrick Ferrand et Frédéric Asensi. Voilà, oui, oui, 5 sur 6, 5 sur 6, les deux. 80%, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Bruno Chouvelon, 3 sur 5, c'est bien aussi. Ouais, c'est vrai. Et c'est enseignant, c'est très enseignant. Tandis que le 8, merci, monsieur. A marqué l'homme des stats. L'équipe d'Annecy mène 8 à 0 pour sa montée. Oui, d'accord, oui, je sais ça. Oui. Toutes les trois mènent. Ok, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Il est un petit peu court. Patrick Ferrand, un petit peu court ? Ouais. Le point qui est conservé par Malaruc. Ouais, sur le côté à droite là-bas. C'est ça. D'accord. J'ai compris. Philippe Marquez, il marque. Retour des pantalons à pince. Ouais, non, c'est le grand standing, hein. Il y en a un qui dit, Virgile, tu es calme ce soir. Ah, je m'occupe de la technique. Hein. Non, ah ouais, t'es bien accompagné, c'est surtout ça. Merci Maxence, c'est gentil de penser à nous. C'est repris cette fois-ci du coup. J'ai pas l'impression à la tête. Ah si.
C'est si. Passé devant la sienne. Ouais. Alors il n'est pas forcément au jeu, mais finalement ça envoie pas les autres tirs. Ouais. Petite boule piège. Pas plus mal. Des fois c'est pas plus mal. C'est vrai. Allez, un peu de vue globale, je sais que vous en voulez. Là, c'est surtout pour ceux qui n'en qui voient pas, quoi. Fabrice Pinet, c'est qui les commentateurs? Il va sûrement nous en mettre. Il va nous en mettre plein la tronche, alors. Attention. Alors, c'est Roger Jarry. Et Virginie Machado. Voilà. La course en tête dans cette rencontre face à Val. Si Virgile s'occupe de la technique, tout va être... Si seulement. Ouais, les jeux sont assez durs au point. Quelqu'un qui parle de... Oui, c'est vrai. La 10 du but, Bertrand. Ouais, j'ai vu. Belle. Karasis, premier point pour Chalamel, équipe de Nice. D'ailleurs, on mesure qu'il y a 2 points de nous. 4-1. Parce qu'il a traîné le but. Ah. Et peut-être qu'il s'est fait 2 points. Même des 3 points pour Doudona au jeu 5. La mi-partie franchise également. 8-0 pour Sabat. Et c'est Pierre Pontonnier qui joue avec les... Non, c'est ça. Je viens de le voir maintenant. Hein. Je l'ai pas fait gaffe. Bonjour Willy. Bonjour à tous. Hein. Bienvenue à tous sur le Jam. Vous êtes nombreux, plus de 1000 à nous regarder. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et surtout faites vivre ce live. Roger, c'est là pour vous accompagner. On a fait un gros casting cette année. Et en attendant qu'il mesure une petite vue globale. Ah oui, j'ai vu, que tu dis... ouais, j'ai vu que tu diffusais sur ton site la vidéo. Fabrice Pinet, j'ai vu ça. Alors un bonsoir du 44, la bouliste Pouliguen. Je vous dis bonsoir car c'est un endroit que je connais bien. Et où je me sens bien surtout. Très bien. Le Pouliguen, bonsoir. On assiste à un tir d'Alexandre Chira. Ouais. Il s'est tapé, bravo. Un tir à 17,50 m. À peu près, oui. Il est tout bout. Terrain numéro 1, l'équipe de... Et là, on va voir Christophe Rennes qui est parti aussi. Dans cette première rencontre, un point supplémentaire. Grand mène. Salut Franck. À 0. Passer à 40. Pipo est au balcon. Ouais. Pipo, il est au balcon, oui, c'est vrai. On le voit, hein, plus. Oui, il est là-bas. On l'a mis un peu. Hein. On l'a mis à l'étage. Aussi les deux premiers points pour le corps. L'équipe de Valença. Est toujours bien accueilli à la boule et au Pouliguen. Oui. Oui, Max. Très bien accueilli. Allez, Loïc Trion. On va essayer de tirer la boule de Bertrand Sauchet. Normalement, il doit en avoir qu'un, alors. S'il tire. Pas droit. Oui, j'ai mangé des huîtres au Pouliguen. Hein, ouais. Oui, c'est vrai. J'en ai mangé aussi à la boule, pas mal. Ah, trou. Qui c'est? Ah, mais c'est. Regardez un tir de Xavier Majorel en rouge sur la gauche de l'écran. De toute façon, il va pas sauter en l'air. Hein. Ah, tu le connais bien en plus. Hein. Ah oui. C'est un garçon tellement, tellement sympa dans le club. Tellement gentil avec ses partenaires et puis gentil avec les adversaires. Jamais un mot, quoi que ce soit. Donc... Allez, tapez pour Balazu. Et on va
Ouais, mais ils sont en retard debout là. Pointé, puisqu'il y avait bien deux points. Ah, il y avait deux points. Alors là, ça fait. La tranche a fait le coup parfait. Hein. Ça donne un avantage conséquent. Et autour de Bruno, président de la sauce Nix Pamboulamin. Grande classe, Bruno Choublon. Champion du monde, hein ? Très grande classe. C'est fort, Choublon. Hop, t'as pris. C'est derrière, mais c'est pris. Ça compte, hein. Finalement, on décide d'aller pointer alors qu'on a un gros avantage du côté de Ballarou. Jean-Pierre Maury nous dit rendez-nous Christophe Campiglia, merci. Ça ne doit pas être bon. Pas besoin de vous le rendre, il est dans nos cœurs à tous. Hein. Bien d'ailleurs, sûr. Je pense qu'il nous regarde et on le salue. Et oui, c'est grâce Christophe. À lui qu'on est là aujourd'hui. Hein. C'est lui le pionnier. Donc merci à toi, Christophe. Christophe, un mec. Bisous, j'espère que tu vas bien. Extraordinaire aussi, lui. Le petit Jean-Mimi, pour moi, aussi qui est là. Bonjour Jean-Louis Favre, Laurent Renucci, Sylvain Trintignac, bonjour à vous. Allez, on en profite de cette mesure pour mettre un plan global. J'irai faire un tour des scores à la fin de la manche, promis. Et oui, du coup, il y a eu un changement au terrain 1. Tout à fait. Jordan Rugari qui est rentré. Ouais, ça couvait, hein. Je sentais bien comme ça tout à l'heure. Oui, oui, il y a eu un changement, bien sûr. Oui. Logique, hein. Salut, on a atteint l'heure de jeu, 7-0, il faut faire quelque chose. Hein. Ah oui, ça presse. Oui, oui. Fred Asensi, c'est repris et on envoie Jesse Blanchet au tir. On va peut-être annoncer du but, hein, du coup, mon hein, Roger. Je logique, pense hein. Que... Oui, c'est le jeu, de toute façon. N'importe que... Ah, si, y a selon trop. La languette, elle a été placée sur le 50 de la boule, pas forcément du but. Tu vas le voir à l'écran. Ça me... Ouais. C'est peut-être que le but est pas bon. Voilà, on dit on a deux boules, on a encore le temps. Ouais. Ah ben, disons, bien tiré. Fait seul, bravo, bien tiré. Pas d'éclat, c'est bien. Très bien tiré, chez Sivanchet. Et là, c'est... Coltarec. Allez, en contre-attaque du côté de Ballarhuc. Avec Guillaume Abelfort. Bonjour Bruno Rougier, Romain Terrier, Julien Ingrid, Roberto Pulice, Nico Chara, MacGyver, Christelle Wright, Sarah Rosenbaum. La petite Sarah est là. Une touche pour Guillaume Abelfort. Alors c'est terminé donc sur le terrain 8, la victoire de l'équipe d'Annecy. Terrain 8 est terminé. Partie à son public. L'équipe Chira du coup qui s'impose très victoire 13 à 0 face à Montpellier Saint-Michel de Montréal. Fabien Condreau, bonsoir. Bruno. Et tu vois, finalement, ben là, on est au but cette fois-ci, Rogers. Ouais. Donc, tu vois, on a laissé venir.
là, oui, il faut le taper là. Il faut faire un set aussi complet supplémentaire pour Landreau, l'équipe de cette anglophone Méditerranée, nettement détachée dans cette partie désormais, alors qu'il reste 1h05 de jeu, 11-1 face à Mioto, Bellegarde en soirée. Bien là, tapé. Bravo. Bien, Jessie Blanchette, félicitations. Un bon geste de Jessie Blanchette pour. C'était important ce but. Il était très important ce but. Dans cette semaine, alors que l'équipe de Valérie mène 5-1. Allez, vue générale, je vais chercher quelques scores. A tout de suite, Roger. Allez. Esclamanti Gondran qui mène 8-0. Ah oui, ça c'est. Gondran 8-0. Montagne le Vieux, le Vieux qui mène 4-1. Et on a Damien Didier qui vient de taper un but qui était relativement chaud. Au 4, la belle intervention de Damien Didier. Du lac fort qui vient de passer au compteur. Parce de que compte. Son équipe était en difficulté. Fort. Dans cette même, il vient de taper le but. Pour le compteur de salle de but mène toujours 4. Didona Balla. Didona qui mène 8-0. Ça va ? Ça va ? Toi ? Ça va. Goffi Chalamel, le score qui évolue 4-1 pour la team Goffi. Et Landreau Mioto, Landreau qui mène 11-1. Combien ? 11-1. Oula ! Là, ça a progressé. Chira des Chira, on va attendre. Il y a le dernier aussi. Boule de Bertrand qui a la force, mais un petit peu sur la gauche. Ouais, j'ai vu. D'accord. Ouais, pratiquement la force. Ouais. Ah ouais, on a déjà quand même du monde, hein, 1070 ce soir. Hein. Et ouais, on est nombreux, hein, donc merci beaucoup. Continuez, n'hésitez pas. Commentez, likez, partagez. Faites vivre ce Ligue Sport Boulemain et le Sport Boule. C'est joli, hein, 1070 personnes, c'est bien. Belle reprise de Monsieur Ferrand et tir de Guillaume Abelfaux. Elle est partie. Elle compte. La boule qui ne sort pas du cadre. Non. À l'écran. Ouais, mais. Oui, oui. Mais frappe qui compte. Fanny Abelfaux. Ah ah. Fanny Abelfaux. Madame Abelfaux. La reine de la pizza. La reine de la pizza, Madame Abelfaux. Bonjour Stéphanie Linda, Simon Fédry, Eric Sudara, Fabien Gazelle, Fanny Ducoup, Abelfaux, Mickaël Cherchi. Bienvenue à tous. Allez, reboule pointé de Patrick Ferrand. On va voir un petit peu où ça va aller. Et je pense qu'elle est bien jouée en point de distance, mais elle est restée toute droite, mais elle a pris. Les partenaires ont l'air satisfaits, donc il n'y a pas de problème. Thank you.
alors que nous approchons de l'heure de jeu, nous y sommes pile poil à la mi-partie, même de 2 points intéressifs pour Salamène, l'équipe de Nice, qui recolle le score dans cette rencontre. Goffin de Métropole mène 4-3. Ah, 4-3. Ça se tient là-bas, hein. Ça se tire la bourre, hein. Elle va pas être vilaine celle-ci, monsieur Bertrand. Elle est très bien jouée. Très belle. Bravo. Belle boule. Belle boule de Bertrand Sauchet. Il a vu les vidéos promotionnelles. Oui, j'ai vu les vidéos promotionnelles. Ça sent très très bien. Patrick Alcaraz s'est tapé. Chiral s'est tapé aussi. Et c'est au tour de Loïc Taillon d'y aller sur la boule, la boule pointée de Bertrand Sauchet. Voilà. Un trou. Juste sauté, mon Rogers. Eh oui. Deuxième boule de tir pour Loïc Triomphe. Poker numéro 1, voici le premier point pour Escamanti, l'équipe de l'Océanis qui est le meilleur sponsor. Deuxième trou. Bon, voilà, c'est le même, hein. Même. Deuxième trou, même trou. C'est pas évident, on est sur un but milieu-jeu, 15m50. On a l'impression de l'avoir bien tiré la première, elle est juste couverte et finalement on veut tirer pareil et même résultat. Ouais. Certainement même que ses partenaires l'ont dit, change pas. Oui, il n'a pas changé. Ça arrive, hein, malheureusement, ça fait partie du jeu, bien sûr. Importante pour Jesse, réussi, bravo. On a l'avantage de boule du côté de Balaruc, donc on va contre-attaquer avec Guillaume. Ben c'est tout à fait le jeu, là. Il discute même pas. Que ces jeux sont, on l'avait dit dès le départ, les jeux sont pas si faciles que ça. On les voit beaux comme ça, mais c'est pas facile. Et si les tireurs sont en forme, c'est sûr que c'est toujours le jeu de taper des boules. Et c'est tapé pour Guillaume à Belfaux. Oui, alors on vous a pas présenté la petite feuille blanche qui est au sol, mais je pense que maintenant tout le monde est bien rodé là-dessus. C'est vrai que c'est important pour vous, en regardant les retransmissions, on sait tout de suite si la boule est bonne ou pas bonne. Si la feuille blanche bouge, c'est pas bon, c'est clair. Alors pour en avoir créé, de l'avoir testé, c'est aussi intéressant, ça matérialise bien. Ça permet vraiment de bien identifier la zone, de bien s'imaginer. C'est un coup à prendre, on va dire. Ah oui, mais j'ai vu que je me souviens de la première fois qu'on nous a mis ça. Hein. C'est pas. Ah bah. Il a mis le pansement là. Ah bah ça oui, c'est un pansement, ça, oui. C'est vrai.
Il y a du beau monde de Konaté, Romain Poulet, Eric Sudara, Richard Viola, bonjour. Wilfried Marel, Youssouf Baran, Frédéric Bertrand, Samuel Binda, Fabrice Pinet, bienvenue à vous. La feuille blanche, c'était Youssouf Baran. Et c'est la ça. Réponse. Merci. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Roger, c'est le moment. Oui, oui, ben, on va répondre dans les limites de... Du raisonnable, bien sûr. Voilà, et surtout pas dire de conneries. Bon, allez. On décide d'aller casser du point du côté de la joyeuse, conserver son avance. Ce qu'il y a, c'est que Jessie a fait un gros gros boulot, tiens. Avec son but qu'il a tapé tout à l'heure. Julien Ingrid Garde. Tu peux essayer de me répondre. Tu vas à la chasse. L'OGS. Ouais, je pense aller à la chasse dimanche. Petit Bruno. Oui, oui, oui. Si on fait pas d'abus. Hein. Tu peux essayer de me répondre soir, à ma question. Julien Grid. Au Groupama Stadium, Lyon mène 1-0 face à Saint-Étienne. Bien pointé d'abord. De Dembélé à la 15e minute. Bonjour Didier, comment ça va? Bon Vini. Et Julien, tu peux poser ta question à Roger. Il a hâte d'y répondre. C'est... Alors Julien, c'est un pensionnaire de l'Aveyron. Ah, l'Aveyron. Le 12. Ah, c'est bon l'Aveyron. Vivier de tête, côté de Millau. Paul Mathieu, boule joyeuse de Lima. On connaît bien. Ah, encore le président qui tire. Oh, le président qui pointe, qui tire et qui fait des casquettes. Ah, attention, ça compte, hein, là. Bonjour. Bonjour. Ce qui me fait chier, c'est que je ne reconnais pas tous les gars avec les masques. Allez, Red. On va plus le reconnaître quand même. Allez, Romain Garcia, boule de rajout. Ouais. C'est important, hein. Ah bah, c'est là. Le moment de revenir. Elle y est, elle y est, elle y est. Ça fait du 5-3. Il en reste encore une en ah, plus. Ah, pardon. Ok. Ah oui, il n'avait pas tiré. Pour le cas, cette lame, du coup, il ira porter un soin à l'endroit de l'équipe de 7. Bonjour Jean-Paul Mathieu. Désormais, ça Mélanie Landesvet. Kevin Cazeneuve, bonjour à toi. Emery Kitan. Il y a beaucoup de pensionnaires du Sud, là. Attends, là ici, Cyril Dolce Mascolo. C'est la période de la Maoche. La Maoche, c'est quoi la Maoche? Bruno. Alors, donc je vous rappelle le score de Balaruc qui a fait 2 points de plus, qui fait 3 à 5 ou 5 à 3 pour Balazuc, le Balazuc de Joyeuse. 5-3, c'est ça? Le score 5-3. C'est ça, je viens de le rappeler. Lance farci au fou.
Oula. Joli Bruno. Bien, bien, monsieur Rougesse. Qu'il peut-il demander à la chaîne L'Équipe de retransmettre la M1? C'est déjà fait. Oui, on l'a déjà fait, oui, c'est sûr. Et il semble que cette année, c'est d'ailleurs déjà fait aussi. Certaines étapes. Rougesse, serait-il possible de demander à la chaîne L'Équipe de retransmettre la M1? Oui, ce serait, ça a été fait. Ça a été fait et... Ben, faut, on attend un petit peu. Mais on a quelques bonnes retombées quand même. On peut pas trop en parler. Voilà. Bonjour la Chalance. Bonjour Hervé Tortois. Et Dédé. Dédé Breaking, il est malin. L'équipe de la peine de l'imballe. Dilona mène Nita. Non, me compare pas à Nelson Montfort. Hein. Pas doucement quand même, hein, débriefing. Ah, Percherency a crié, c'est pas bon signe. Car deux, mène de 3 points pour Garcia. La formation de Balaruteva qui recolle le score dans cette rencontre face à Balazic. L'équipe de Joyeuse conserve la tête de la rencontre 5-4. 5 à 4. 5 à 4. Et non, 5 à 3. 5 à 3, égalité à 4 parties entre Montagne et Lacroix-Lyon. Et le jeu, Fontaine, 4 à 4. Baptiste Coltrec qui vient de faire un petit trou. Oui, 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 on a bien mis 5 à 4, hein. C'est bien ça. Il y en avait un. Et Romain a rajouté les deux siens. Ça fait 3. 3 et 1, 4. Mais on nous avait fait signe 3. D'ailleurs, on attend la fin de Bertrand Sauchet. Et je vais aller chercher le reste de tous les scores. Voilà. Bien joué, hein. Ouais, bien joué, oui. Très bien joué. Une boule de Bertrand, bien joué. Pareil. Il est en bonne série, là. Il a trouvé le grain. Oui, il a eu un petit passage à vide. Et là, il est bien revenu, là. On refait la même sur le terrain 7 déployé par Julien Menager alors qu'il y avait peu pour cette formation. Un trou. L'endroit 7 mène toujours 12 à 1 face à Muto Delgarde-Foy. La Côte Saint-André qui mène 9 à 1 face à Escarmont. Mondrant 9, Esclamonti 1. Pas bon. Tapé, si, si. C'est bon, Jesse. Ah, j'ai cru qu'avoir vu voler le machin. Moi aussi, ouais, mais non. Ah bon? L'impact est vraiment 5 cm après, ouais. Ah ouais, d'accord. Bah, tu vois. Ici, on voit quand même pas vraiment... sur la marche. Traiteur qui nous a servi un repas ce soir. Magnifique. Belle boule, très belle.
le carré 6, cette mène de 2-1 en faisant de l'échelle, la mène va permettre à l'équipe de Nice de mener au score pour la première fois dans on cette rencontre. 5-4 face à Lyon Métropole Gauche. Du Lac fort, du Lac 5-2. Du Lac 5 fort 2. Allez, le tir de Bruno Choulon. Allez. Juste à gauche, un peu de haut. Un peu haut. Je pense qu'il est plus bas, c'est comme. Peut taper. Au tour 4 du Lac, l'équipe de la Tour de Chauvigny a marqué un point dans le Némiponé. Merci pour Marc Alexandre. On va lui faire la commission. L'équipe d'Idona qui mène 8-1. L'équipe Goffi qui mène 4-3. Et l'équipe Landreau qui mène 12-1 face à l'équipe Mioto. Voilà pour les scores à jour. Eh oui. Petite chiquette pour le président. Une caresse de président, Roger. Ça arrange pas les affaires, ses affaires surtout. Allez, vue d'ensemble, profitez-en. Lucara le tire à la droite. C'est touché, ça compte. Xavier Majorel sur la gauche de l'écran en rouge. Ouh là là, un petit prono, Rogers, pour le premier vainqueur de ce Grand Prix. Oh mon ami, tu ne pouvais pas me poser une autre question, Patrick Pillet. De toute façon, c'était sûr qu'on allait te le demander. Hein. Ouais. J'aimerais mieux qu'on me demande un tiercé encore, à la limite. Mais un mec tout seul, une équipe tout seul, ça me... à 2 hein, pour l'équipe de Balaruc, avantage très important, il va falloir le transformer Rogers. Puis on arrive sur les dernières 40 minutes de jeu. Oui, et eh bien écoute, on va regarder tirer déjà. Ah ben, faut taper. Super, il a tapé les deux boules, parfait. Oui. Et là maintenant, hein, chercher l'erreur. On essaie d'aller tirer le mur. Hein. Ah oui. 2004. C'est autre chose. Hein. Allez, Jesse, encore un. Hein. Bonjour Dominique Viguier. Bonjour Rémi Lagarde. Bonjour Pierre-Jean Di Carlo. Très bon ami. Patrick Viguier, bonjour à toi. Bienvenue à vous tous. J'espère que vous vous régalez sur ce direct. Non, il n'y a pas d'équipe de Monaco. Hein. Non. Nous n'avons pas d'équipe enfin, de Monaco en présent. Il y a des joueurs du club ouais. sportif de Monaco, tels que Jordan Rigarro par exemple. Voilà. Mais c'est... On n'est pas sur une formule GDP Arrête, comme tu as pu la connaître. McGaylor. Hein? On n'est pas sur une formule GDP comme tu as pu la connaître avec non, des nations. Pareil. C'est pas tout à fait pareil. Ah, faut absolument qu'il le tape là, le petit Jesse. Il vous cherche celui-là. Il est seul. Il va aller de l'Oasis, regarde. Oh là. Pas droit et devant. Il chausse ce but, oui, Fabien.
il va y avoir un changement dans l'équipe de Balazuc, Joyeuse. Frédéric Assensi. Là, il se régale, hein. Là, il se régale, hein. Belle boule. Et bien là, Patrick, il ferait bien de venir se coller, hein. Venir se cacher à la boule, hein. Ça va pas être évident pour Patrick, là. Oui, il faut aller chercher, oui. La Madone, pour qu'elle vienne, là. Et on va suivre la boule de Patrick. Regarde. Mais il a... Elle est bien jouée. Ah oui, bien sûr. Bec, rentrant, impeccable. Et là, du coup, Roger, tiens, tu ferais quoi? Est-ce que tu tires que la boule ou tu annonces du but? Le but, c'est un trou, finalement, ça fait deux points, on passe devant. Non, moi, je tire la boule. La boule seule? Ah ouais. C'est sûr que le but, c'est un trou. Hein. C'est un trou, discuter, ça fait deux, ouais. Et ça fait passer devant. De et façon... vous, d'ailleurs, sur le chat, que feriez-vous, tiens? Petit dilemme. Donc toi, plutôt que la boule, alors. Ah ouais, tu vas chercher vraiment la boule. Moi, je tire que la boule. Facile, il laisse tirer les autres, Rogers. Normal, hein. Non, mais là... Il tire bien, il peut rester dans le jeu, attention, il aurait pu rester. Ouais, hein. Il aurait pu, ouais, tout à fait. Ça n'était pas loin. Hein. Tir réussi, du coup, ça fait 3 points. Hein. Et oui. Et ça fait, au lieu de 5 à 4, ça fait 5 à 7. Voilà. 7 à 5 pour Balazuc et l'équipe de Romain Garcia. Et Anthony Perchalancier sur la droite de l'écran. C'est tapé, bravo. Fabien Couard en noir sur le centre de l'écran au tir. C'est un tir délicat, hein, tu as vu. Cette déployée par Kevin Dufour en faveur de tir de précision. L'équipe de Bellegarde en forêt. Que aussi un gentil garçon, on voit bien. Parce que l'endroit fait même. Les deux, il reste dans le cadre. Vraiment joli. On enchaîne avec la team du lac. Au travers de l'équipe de Balazuc menée par Romain Garcia, les 3 boules pour terminer la mène. 4 points pour l'équipe Garcia. Bruno Ray, tu m'en fais des mots de pile, toi. Pour la première fois, et franchi la mi-partie en premier, 8 à 5 face à Balazuc, la formation de Joyeux. Oui, Christophe Penalvert est rentré. Bien vu. Ça fait presque une heure qu'on n'arrive pas à marquer, hein, du côté de Joyeuse, alors qu'on avait pourtant bien démarré. Côté 1-3, un point pour l'une de l'équipe de Fontaine qui en profite pour reprendre la tête de la rencontre. 5 à 4 face à Montagne. On est sur un but à 16,50 m. Très bien pointé de la part de la France. Ouais, non, mais il a fait une grosse série. Quand toutes les boules comptent, il n'y a pas besoin de faire des biberons tout le temps. Hein. Mais de la boule qui compte, et ça joue. Hein.
Bien tiré. L'œil triomphe, bien tiré. Pourquoi Luquiéral ne joue pas avec Garcia? Alors ça, c'est pas trop notre... C'est pas notre domaine. Non, là, on peut rien vous répondre. C'est une affaire de partage des équipiers dans les équipes. On a besoin d'un tireur en tête, on a besoin d'un tireur en second. On fait un petit peu le marché comme on peut et voilà. Mais donc, pas toutes les billes dans le même sac. Voilà, c'est de partager. Tout. Il y en a qui ont des billes en moins parce qu'ils n'ont pas... Oui, oui, oui. Donc, là, c'est Poyet qui tire, dis donc. Pointeur second. Ils envoient le pointeur second tirer là-bas. Ouais, c'est à côté. 17 mètres. Au bas. Ah non. Ça fait. Il a bien suivi. Bon. Alors, un petit coup de stat, vite fait. Patrick Ferrand. Au point, 10 sur 12. Bruno Chauvelon, 5 sur 7, 1 sur 4 au tir. Jesse Banchet, 2 sur 3 au point, 7 sur 8 au tir. Loïc Triomphe, 1 sur 1 au point et 6 sur 11 au tir. Romain Garcia, 3 sur 6 au point, 0 sur 1 au tir. Fred Assensi, 9 sur 10 au point. Guillaume Belfaux, 7 sur 9 au tir. Et Bertrand Souchet, 8 sur 12 au point. Au jeu numéro 1, avec cette mène de 3 points, l'équipe de la Côte-Saint-André est désormais à 1 point de victoire. Gondran mène 12 à 1 face à Escamanti, le GC Nice. L'équipe de Valencia qui reste à flot dans cette rencontre du Mercator de Salvani mène 5-3. Esclamanti Gondran, Gondran qui mène 12 à 1. Tu vas être court, mon gars. Le vieux qui mène 5 à 4 face à Montagne. Ballaruc 8, non. Non. Ballaruc combien? Ouais, c'est ça, 8. Ballaruc 8. Ballaruc 8. Mais c'est bien, c'est qu'il y a des gars qui... Il y a des gars qui suivent bien. Hein. Ça a été annoncé 8-5 au micro pour cette partie. 8-5, c'est ça. Équipe forte qui vient d'augmenter son scoring et qui est menée 3 à 5. L'équipe balle aussi qui vient d'augmenter son scoring qui est menée 8 à 2. Oui, on a confirmé hein, Fabien Gazelle. C'est bien 8 à 5 pour Ballaruc. Hein. Oui. Pas de problème, on l'a fait. D'accord. C'est l'équipe Goffy qui vient de marquer. Nouveau changement de capitaine, l'équipe de Lyon Métropole a inscrit 2 points dans cette semaine. Goffy mène 6 à 5 face à Chalamet. Oui. Oui, 6 à 5 pour Goffy. Goffy 6 à 5, ouais. Oui, c'est ça. La boule courte un petit peu pour pas trop dommage, bien le jeu. Ouais, mais tu vois, il est beaucoup plus loin que tout à l'heure. Hein. Il a fait tout à l'heure, il a fait le plein, il a manqué poids, Patrick Ferrand.
Et là, elles sont pas mal jouées, ces boules. Mais en face, ça vient beaucoup plus près et ça fait pas, quoi. C'est dommage, parce qu'en plus, on avait l'avantage de boules. Hein. On était 5 boules 4, là, on est à 4 boules 4. Mm-hmm. Il peut peut-être rentrer à 2. Hein. Je sais pas, ça me paraît loin, moi, il me semble, non ? Regarde. Il peut être fort aussi. Il peut être fort aussi, voilà. Tu rectifies ici. Et c'est dommage, hein, parce qu'elle est bien jouée. Enfin, dans l'esprit, elle est bien jouée, la boule. La couleur de ma veste préférée, lila. Qu'est-ce qu'il peut être, ce Samuel Binda. Allez, première boule pour Christophe. Hein. 1h30 sans jouer. Ouais. Boule importante. On est à moins 3. On est en fond de barre et elle est plutôt bien jouée d'ailleurs. Bec et point, bravo. Je regardais autre chose mais c'est bon. J'ai vu. C'est bien. C'est important quand on rentre de réussir sa première. Bah ça fait plaisir hein, déjà tu te dis déjà je sais pas capot. C'est déjà pas mal. C'est terminé sur le terrain 7, la victoire. Donc de l'ombre. L'équipe de 7 à Jeffrey qui s'impose sur le score de 13 à 1 face à Mito Desarmacor. Les 7 toits avec Danny Montels ont gagné. Qui s'impose, bravo. Oui. Avec la molage et le grand Héral. Face à l'équipe Mioto. Ouais. Allez, une petite vue globale, regardez ce magnifique boulodrome ici à Mâcon. On va assister à un tir important, regardez du côté d'Office à la Mêle, Christophe Rein sur la droite de l'écran en rose. Ouais, bon joueur aussi, très bon joueur. Tapez, bravo. Et Jesse Blanchet sur le but encore une fois. Oh non. Décisive, et oui. Gars. Il est tapé celui-là, bravo. Hein. Jesse, 2 sur 3 au but. 2 sur 3 au but, c'est joli. Au terrain 2, le but noyé par Jesse Blanchet pour garder l'équipe de Joyeuse à flot. Dans cette partie, Garcia mène toujours 8 à 5. Allez Rogers, il reste 30 minutes de jeu, j'ai une question à te poser. En temps normal, je sais que c'est pas le money time, mais là en cadrette, il ne reste plus beaucoup de mènes. Ça devient décisif là. Mm-hmm. Est-ce que c'est le money time ou pas au bout de 30 minutes de jeu en cadrette? Pratiquement. Surtout à ce niveau-là. Dire que dans un niveau légèrement en dessous, il n'y a pas le feu. Et là, avec des oiseaux comme ça, c'est important hein, parce qu'on voit qu'il y a des buts qui ont été très bien tirés d'ailleurs. Et tu fais gicler 3-4 buts, ça passe le temps. Hein. Parce que 3-4 buts. Autant 5 déployés par Fabien Poire pour la formation de la plaine de l'Inde. Balle. Sur la partie, on a eu 2 annulations. Et finalement, 8 mètres, donc ça veut dire 6 qui se sont vraiment joués. Ouais. Sur la partie, on a eu 2 annulations. Oui. 8 mètres, oui. Donc 6 qui se sont joués jusqu'au bout. Oui. Oui, oui, c'est. Ça veut dire que les joueurs ont joué à peine 16 boules. Il ne faut pas en manquer beaucoup. Non, oui, c'est. Les boules sont toutes chaudes, quoi. En principe, c'est. Tension, tension, tension. Ça aurait pu lui faire un truc.
Et c'est terminé sur le jeu numéro 1. Gondran a gagné. De l'équipe de la Côte Saint-André. Gondran a gagné. Dans cette rencontre face à Esclermont-Fly, le GC Nice, 13-1. 13-1 du coup pour Gondran. Oui. Une belle opération. On a vu une petite équipe niçoise, hein, franchement. Ça n'a pas été terrible. Alors qu'il reste 25 minutes dans cette partie du tournoi. Finalement, on a eu trois parties qui sont déroulées un petit peu en sens unique. Hein. 13-0, 13-1, 13-1. Est-ce que ça s'explique aussi par le manque de temps de jeu ces dernières années? Non. C'est vraiment, c'est la première du soir et voilà quoi. Ouais, voilà. On va dire ça. Demain, c'est un mieux. Ouais, je pense, ouais. Pierre Pontonnier n'est pas vénard là sur ce coup. Enfin, tu me diras, c'est une boule derrière, hein. Il faut s'attendre à ça, c'est comme ça. Non, Anthony Pierre-Chancier n'est pas remplaçant. Allez, Guillaume, belle fois, tire. Pour tenter de chasser la boule de Patrick Ferrand. Il vient de prendre 13-1. Il a dû faire une prise miracle, hein, comme d'habitude. Opoy. Philippe Marquez, tout simplement pour le niveau, Virgil Machado. Là, c'est clair, je m'y attendais à ça. Ça peut être que Philippe qui dit ça. Ouais. Montagne qui mène 6-5 face à l'Ouvrier. Sébastien Lévaux-Marcon qui vient de taper la boule de Frédéric Poyer. La team orange. Repris de la part de Patrick Ferrand, ça envoie Romain Garcia-Moutier. Ah oui. Et là, qui n'a pas tiré depuis un bout de temps, et regardez, c'est touché, la boule qui sort pas du cadre. Oui, mais et ça bien, suffit. Bien trié en plus, ouais. Bien du bon côté. Bien tiré, bravo. De rien, bonne soirée. Ça va ? Et à demain. Allez. Qu'est-ce qui nous reste là ? Christophe qui ici réussit cette boule, hein, donne un sacré avantage. Hein, parce qu'on est quand même 6 boules 4. Du côté de Ballarue, on est presque au but, hein, si tout se passe bien. Il faut prendre. Il faut prendre. Elle vient pas mal, mais elle est un peu vite, non? Hop, 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 elle peut avoir pris. Ouais, c'est ça. Je sais pas. D'ici là, dire là, d'ici. Non, pas pris. À la tête. C'est dommage. C'est pas la distance qu'on y regarde, c'est à la tête.
5 boules 4, tu ferais quoi Roger? Est-ce que tu retournes pointer ou est-ce que tu tires sachant que tu en défends 2 là? Tu as moins 3, il te reste 20 minutes de jeu. Bah écoute, là... Ils ont décidé d'aller pointer. Eux ils vont pointer, c'est un fait, mais il faudrait pas qu'en pointant, ils rentrent la boule de devant. Ouais. Et qu'ils, se mettent, qu'ils viennent mourir au cul avec, parce que là c'est une cata. Ce sera encore plus compliqué quoi. On attend la boule de Christophe et je vais aller faire un point sur tous les scores. On va voir, il la met. J'ai bien joué celle-ci, j'ai l'impression. Non ? Allez, Romain Garcia au tir. Il tape les deux. Voilà. Pas resté à carreau, mais presque. Mmh. Et là, l'œil triomphe peut partir tranquille. Maintenant, il n'y a plus de points, il n'y en a qu'un. Et pas pareil. Allez, Montagne qui mène 6 à 5 face à Le Vieux. Aïe, 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 juste à droite, dommage. Ouais. Il n'est pas bien, Loïc. Il a bien débuté pourtant. Très bien débuté. L'équipe du Lac qui mène 6 à 3 face à l'équipe Fort. 6 à 3. C'est ça. 6 à 3. Didona Ball, toujours 8 à 2. Et Goffy Chalamel, toujours 6 à 5. Et vous ? Ça va. Et toi, tu me sors du combien toi ? Ouais. Auteur assiste à point pour l'équipe de Nice qui égalise face à Lyon Métropole. 6 partout donc, alors qu'il reste 17 minutes de jeu. Juste sauté hein, pour Frédéric Assensi. Il n'a pas tiré une boule depuis 1h40. On est à 16m50, elle est quand même bien tirée. Hein. Ouais, c'est un petit peu le même style que la touche que Poyet a fait là-bas au fond, tout à l'heure. C'est les boules de pointeur en second, c'est touche des boules un peu emmerdantes parce que... Ah, elles sont importantes de par le poste. Bah oui, puis en plus elles sont pas... du tir à froid, quoi. Elles sont jamais la porte à côté non plus, alors... Sur le tir à 4, 1 point pour Fort du Lac concernant la tête de la rencontre, 5 tapes. Tapé. Et tapé, bravo, 1 sur 2, bien tiré. Je te dis que là-bas, Goffy contre Bilan, et eh ben ça joue loin. Hein. Bah, écoute, on va le montrer. Ah mais ça joue loin. C'est pas la porte à côté. Là c'est maintenant qu'il faut le taper lui. Loïc. Oh taper mais blessé. Pas sorti. Conserve le point. Eh oui. On voit bien ici à l'image. Ah, c'est bien. Ah,
Donc, une boule contre une. Hein. Ouais, c'est ça. Une boule et j'ai scié la joue et puis après, bien. Après, on va peut-être aller tirer. Hein. Ben, ma foi, écoute, ça dépend où il va la mettre. Hein. C'est Bertrand qui a la boule après. Hein? C'est la boule de Bertrand après. Ah ouais, mais il peut les. Non, il va pas les tirer là, je pense pas. Non. Il va pointer. Il décide d'aller pointer, ouais. Ouais. Bon, il a un rayon de 70, hein. Il a ouais, un cercle, ouais, ouais, non, mais il peut le mettre. Bah, bien sûr qu'il peut le mettre. Ils attaquent tout de suite là-bas, Goffy là-bas, 17 mètres. Hein. Une boule pointée, pan. Allez, on va assister au tir, Lilian Rivaud qui réussit. Et sur la droite de l'écran en rose, Christophe Rein qui s'élance. Oh, sec. On l'a non. Non, presque. Oh là, semi. Oh là, là, là. Oh, à 17 mètres. Allez, la tour, doucement mais sûrement. Allez, boule important pour Bertrand. Pour oui. Creuser l'écart. Ah, il l'a pris. Ouais, c'est fait, hein, bravo. Ouais, bien. Balaruc qui mène 9 à 5 dans cette première partie de cette première étape de Ligue 1 ici à Mâcon. 9 à 5. Et il reste 13 minutes 45, Rogers. Je sais que tu aimes la précision. On les appelle comme ça souvent, Chiron. Ouais. Ouais, 13 minutes. Voici un point supplémentaire pour Garcia, l'équipe de Ballard qui est là, qui mène désormais 9-5 face à Ballet. Allez, on va faire un petit point score, je reviens. Bertrand, ouais. Bertrand Sauchet, très très bien. 13 minutes, oui, il reste. C'est ça. Une boule intéressante, hein, vraiment très belle dynamique. Hein. Ah oui, oui, non, mais... il y a de la suite dans les images. 5, 1 pour Didona, 9-2 pour Sada. Et Didona qui mène 9-2 face à l'équipe balle. Ça va? Ça va, mon petit? Salut, Roland. Ça va, Chalamel, merci. Score de parité, 6 partout. 6 partout. 6 partout, ouais. Allez, Loïc triomphe au tir. Ouais, c'est. Et c'est tapé, bon. C'est vrai, une bonne partie pour Bertrand, oui. Bertrand Sauchet était égal à lui-même. On peut le dire. Et entre Fort du Lac, il y avait une erreur d'affichage. Le score qui est de 4 pour l'équipe Fort et 5 pour l'équipe du Lac. Score de parité aussi là. Très serré. Ah oui, 4-5, oui. C'est... Ouais, c'est par côté, hein. C'est tenu toute droite celle-ci. Ouais. Elle a bien la dose. Hein. Contre, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Ouais.
Et Rogers, du coup, petite question, avec cette nouvelle formule, le match nul est autorisé? Donc, mène supplémentaire en cas de match nul? Bah, normalement, oui. Enfin, alors, ou alors, ils m'ont pas averti. Sur réserve. Ouais, ouais, ouais. Alors, je dis ça puisque 9 à 5, ça va être compliqué de gagner, c'est toujours possible, mais on va en faire 5 alors que déjà d'en faire 4, c'est un peu plus facile, quoi. Même si ça reste déjà tâche complexe. Alors, pour ce soir, aucun interview, par contre, pour demain, on vous réserve de très jolies interviews. Et d'ailleurs, des interviews qui sont tournées en boucle et qui seront montées, utilisées entre chaque étape de Ligue 1. Bon, allez, non, Frédéric Bertrand Ferrand, Patrick Ferrand, il peut reprendre là, hein. Belle, hein, très très belle, très belle boule, jolie. Et c'est la différence qu'il y a eu, hein. C'est que là, il y a toujours une équipe qui arrive de céder par moment. Allez, Guillaume Belfaux, pour aller chercher le 2 sur 2. C'est un 3, 1 point pour le vieux. Égalisation à 6 partout face à Montagne. Il reste 1 minute de jeu. Il y a juste à droite, un peu court. Non, mais elle est partie comme ça. Hein. J'ai vu la sortie de sa main. Et vous l'avez entendu, l'égalisation entre le vieux Montagne, 6 partout. Ça nous promet des belles parties là, on n'a pas fini encore. Okay. Et 6 partout, Goffy, Bilon. C'est ça, Goffy Chalamel 6 partout, ouais, Montagne Le Vieux 6 partout, Fort ouais. Du Lac 4 à 5. Là on voit l'écran Romain Garcia. L'international français, double mixte en 2021, Nathalie, Michel Bravo. L'équipe Chalamel est au but. À 6-6, hein, c'est... quand ça joue comme ça joue bien. Hein. Et d'ailleurs, on va rester là-dessus sur cette vue pour voir le but. Sébastien Belet. Ouais. Il vient déjà de faire une belle touche. Hein. Il a fait une superbe touche avant, déjà. Et là, c'est une balle de match. Oh, il est tout touché et le but qui sort. Oh là là. Ah, il est pas plus important que bien tiré, bravo. Parce que à 5 minutes 3 il tombait bien devant la boule qui a sauté un peu, il a failli ne pas sortir. Équipe de jeu, bravo, Sébastien, bien tiré. Trop une contrôle pour finir la même, autant dire que ça pouvait être clair. Du premier par Sébastien. Et donc, le score a changé, on est toujours à égalité. 6 partout. C'est parti vraiment brûlante là-bas. Allez, Frédéric Asensi. Boulot au point. On a le bon grammage encore, mais on n'a pas retrouvé le jeu, hein, côté de Ballaruc. C'est marrant, ça. Oui. T'as vu? Et de, c'est marrant parce que ça joue bien. Hein. En plus, ça joue bien. Ils sont pas dans une période où ça joue mal. Ça joue très bien. Ils sont obligés de revenir au tir avec Romain Garcia. Comme
1070 personnes. Régulier. Tranquille. Voilà. Et quand je vais t'avoir à te commenter, toi, surtout Danny Montels, c'est un gars qu'il faut commenter. T'as pas commenté Danny Montels dans ta vie une fois, t'es pas le vrai commentateur. Quand tu l'as fait plusieurs fois. Voilà. Passe le bonjour à tout le monde. Ouais, ouais. Vous avez le bonjour de Danny Montels. À tout le monde, il a dit. Grand Danny Montels. Hey. 4 boulunes du côté de la Joyeuse. On va peut-être pouvoir revenir un peu là. Oui, 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 ça peut. En profiter, hein. Ça c'est peut. Le moment ou jamais. Ah bah là, oui. De toute façon, ils vont pas tirer le but avec une boule en main, déjà. Tranquille. Et Christophe Rennes qui ne dit rien, continue le traitement, là-bas au fond. C'est vraiment... super joueur, ce garçon. Belle, dis donc. Il a fait une très belle rentrée. Hein. Dis donc, une super rentrée, oui. D'où l'importance de bien réussir ces deux premières quand on rentre. C'est un... Ça permet d'influer, de mettre une dynamique. Un bonheur des choix, celui-là. Hein. Il a mis des marrons. Hein. Ah, il est parti se coucher, Danny. On ne peut plus le revoir maintenant. Il était très fatigué. Nerveusement. Et la boule de Frédéric Assensi, la dernière pour bat la rue dans cette manche. Ah, si elle vient au cul, et il vient de mettre le pansement là. Hein. Elle est bien jouée. Hein. Elle a pas pris, mais elle est bien jouée. Non. Je pense qu'il l'aurait pas mis ailleurs. Oui, ou collé. Ouais, collé, ça aurait été encore mieux. Quand même quelque chose. Il est du gars. Il est du gars, mais il a fait une belle entrée, ce garçon. Je ne connaissais pas. Un point pour l'équipe de Valença. Fort qui revient à la hauteur de Ludac. Égalité à 5 partout. Ça veut dire quoi encore? C'est un pensionnaire du gars qui joue dans l'Ardèche, la Joyeuse. Bah oui, Joyeuse, oui, c'est l'Ardèche, oui. La boule de Jesse aussi, bon grammage, un peu sur la droite. Ouais. Faut mesurer si on est en 3. C'est pas le jeu de tirer de toute façon. Ils ont le temps de faire une passe. Ouais, c'est tu ça, peux, rien. Tu peux plus remonter plus maintenant. Trop tard. Au moins marquer un point. Ouais. Oh, te dis de points, s'ils sont en P2, t'es qu'à moins 2, dernière main, je sais pas. Hein. C'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre. Alors, Christophe Penalvert est alésien. D'accord. Voilà, une précision. Oui, Romain, on sait que les arts des choix sont bons. Casse-toi pas la tête. La ville de Julien Doré. Julien Doré ? Ouais, il est né à Alès. Oui, oui. Le but 3 aurait pu être attiré, pourquoi pas, bien sûr. Moi j'étais. Oui, mais avant, mais pas. Après, c'est plus le jeu. Ils faisaient 3, ils n'allaient pas les faire au point, de toute façon. Ils faisaient 2 du coup là. Ils faisaient 2. 3. Il n'y avait que 2 boules à Jesse. Et une à. Du coup, ils en font un, bon ben. Il va falloir aller tirer le but là-bas chez Goffy. C'est plus le même qui a tiré. Du coup, on va rester là-dessus. À moins d'une minute du buzzer, l'équipe de Joyeuse a marqué un point. Bah, il faisait deux, t'as raison.
Garcia mène 9 à 6. Fin du temps réglementaire. Ils n'ont pas tiré le but là-bas. Derrière le but, hein, Rodgers, qui est vraiment tout au fond. On est à 17-48. C'est fini, hein, ça vient de sonner. Ouais, c'est fini. Fin du temps réglementaire. Fin du temps réglementaire. Voilà. Et on a beaucoup de scores de parité, mon Rodgers. Là, il va y avoir beaucoup moins. Tant qu'il serait également juste avant 2h, l'équipe de Pendula a marqué une mène de 3 points pour espérer encore dans cette rencontre d'Ilona. Je ne savais pas même 6-6. Donc, on vous a promis du beau spectacle pour cette première étape. Bah, vous êtes servis. Hein. Alors, les stats. Patrick Ferrand, 14/18 au point. Bruno Chouvelon, 5/7. Au point et 1/4 au tir. Jesse Banchet, 5/7 au point, 7/10 au tir. Loïc Triomphe, 1/3 au point et 10/16 au tir. Christophe Penalver, qui vient de rentrer à l'instant, enfin pas très longtemps, 4/5 au point. Romain Garcia, 3/6 au point, 5/6 au tir. Frédéric Assensi, 12/14 au point et 1/2 au tir. Guillaume Abelfaux, 10/14 au tir. Bertrand Sauchet, 13/18 au point. Ben voilà les choses qui veulent dire pourquoi cette série est très... C'est un match qui est très 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 serré. Pourquoi ? Eh bien on le sait. Hein. Alors, Séverin Jacquet, pourquoi il a le droit de jeter le but, David Pirou, boule non arrêtée au buzzer? Alors là, écoute, ouais, je sais pas, j'ai pas vu, comme on surveille pas son jeu à lui, donc j'ai pas vu faire, donc je peux pas t'en parler. Bon, là, j'ai vu un joli tir de Guillaume Abelfaux. À 17 mètres. C'est ça, 1/2 pour Guillaume. Pierre Pontonnier en vert sur la gauche de votre écran. Alors tapé, malheureusement, il a touché la sienne. Oh là là. Ils ont perdu Goffi, terminus. Sur le but, compliqué là. Ouais. J'ai perdu, partout perdu. Ah, le but tapé de Belay, Sébastien, a fait la différence. Le match est terminé au Groupama Stadium, victoire de Lyon dans le derby face à Saint-Étienne, 1-0. Oh là là. Sans surprise, Roger. Non, mais ouais, ça me fait de la peine parce que 1-0, c'est... Oui, on posera tout à l'heure la question, pourquoi il a le droit de jeter le but, David Pirou, boule non arrêtée au buzzer. Franchement, j'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler. Allez, Bertrand Sauchet, à la pointe. J'ai l'impression que le vieux, il va perdre une partie. Ils ont vraiment pas eu de peau dans la dernière passe que je viens de voir. Et On va assister au tir de Sébastien Belay sur la droite de l'écran. Oui, et au tir de Loïc Triomphe aussi. C'est ça, sur la gauche du coup. Attention, biberon là-bas.
ça suffit pour Sébastien Gollet. Heureusement qu'il n'a pas tiré le but comme ça tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas... ouais. Triomphe. Ah, ils sont trois au pas de tir là. Et que des boules importantes puisque les scores sont très serrés, regardez. Damien Didier, ah, il est au but, dommage. Perdu. C'est compliqué là. Il faut aller chercher celle-ci. Hein. Bien tapé. Tapé, bravo. Ah oui. Une belle boule à 17 mètres. Hein. Ah ouais, ouais. Faut aller chercher celle-ci. Faut bien courir en arrière, bien accompagner. Ah bon. Il valait mieux pour voir le match. Eh ben c'est bien. La victoire de la Podium Montagne qui s'impose face à Le Dieu Fontaine. L'équipe Montagne du coup qui s'impose face à l'équipe Le Dieu. Et victoire également de Chalamel Nice qui s'impose face à Gauthier Lyon Métropole. Et Chalamel aussi qui s'impose face à Gauthier. Chalamel gagne Gauthier et Majorel, petite victoire de... Elle est bien importante pour la Joyeuse, notamment pour Christophe, et elle est bien jouée. Un petit peu devant, est-ce que ça suffit? Oh, elle est pas mal, hein. Elle est bien. Oh, c'est une belle boule. Ouais. Bah écoute. Hein. Et on a déjà nos premiers vainqueurs de cette première partie. La équipe de Tour de Saint-Denis qui s'impose face à Fort. Sur la gauche. Fort. Perdu. Le pont. Perdu de la part de Christophe. Ah, il serait bien malin de rentrer à deux là, hein, mon Rogers. Sur cette manche là, s'il rentre avec la sienne là, il aura bien joué. Touche. Aïe, dommage. Un peu vite. Hein? Oui, mon Rogers. Ça a pas bien joué? Oh. Fille devant tout le long, je sais pas, j'ai la cœur. Oh.
Allez, chérie, oui. Cœur sensible ou l'importance. Ça va? Salut, Roger. Salut. Allez, insensible ou l'importance, c'est rempli, bravo, bien joué. Bien sûr, où là? Il a repris 3 boules 2, voilà, balle à ruc, davantage de boules. Et celle-ci, c'est la boule de Frédéric Insensi. Là, il faut aller tirer. Il faudrait faire un carreau d'ailleurs. Il n'est pas une limace là, ce serait bien. Non, mais là. Là, il faut aller doucement. Là. Et Loïc triomphe. Boule importante. Bonjour. Salut, salut. Moi. Pas mal. Oh là, dis donc, t'as presque raison. La brique vient de se perdre. Ouais. Elle a glissé un petit peu, mais bien joué. Alors, il reste quoi une boule alors chez eux? Regardez. Le alors, 3 boules pour Balaru qui est une pour le joyeux. Ah bah non. Du coup, on va contre-attaquer. Tire au point. Extraterrestre, ça. Allez, Romain Garcia, on tire. Juste à droite, dommage. Quelque chose. Ouais. Il y a un gars, il a dit à maman, il a je vais t'interrompre hein parce que là on assiste peut-être à une boule décisive puisque si Jesse Blanchard il va faire le ciseau, il y a match nul et on assistera à une main supplémentaire. Stop. Donc c'est quand même une boule importante. Alors là il s'est bien placé, t'as vu, il s'est ouvert l'angle, il faut qu'il tape la boule de devant et qu'il fasse ciseau derrière pour en faire rentrer 3. Et auquel cas, ça fait 9 partout. Hein. Ah dommage, il a touché la sienne. Ouais, plus, rentre très bien. Voici la victoire, donc. Rentre très bien, rentre très bien. L'équipe de Valentine qui s'impose dans cette dernière rencontre face à l'équipe de Genouz. Valentine, merci d'avoir partagé cette soirée en notre compagnie. Allez, on va donner un petit peu tous les résultats, mon projet. Oui, on va attendre qu'on entende un peu moins de bruit. À partir de 8h, bonne soirée à toutes et à tous. À demain. On a tout là ou pas? On a tout, tout à fait. Donc la team Balaruc qui s'impose face à la team Balazuc. Voilà. Dans le premier terrain, du coup, c'est la team Gondran qui s'est imposée face à la team Exclamanti. Ça, on l'avait annoncé, oui. Vas-y, parce que je ne vois pas les noms là. Ensuite, c'est la team Montagne qui s'est imposée face à l'équipe Le Vieux.
Salut. L'équipe du Lac qui s'est imposée face à l'équipe Fort, l'équipe Chira qui s'est imposée face à l'équipe Mancuso, l'équipe Landreau qui s'est imposée face à l'équipe Mioto, l'équipe Chalamel, et c'était très serré, qui s'est imposée face à l'équipe Goffi. Et pour terminer, c'est l'équipe Didona qui s'impose face à l'équipe Balle. Bon, mon Rogers, eh ben, cette première avec toi, bah, écoute, pour moi, c'était un régal. J'espère que tu t'es fait plaisir, que les gens se sont fait plaisir. Vous êtes d'ailleurs 1000. Hein. C'était donc, bien. Merci pour tout. C'était... J'ai vu que les gens étaient contents. En règle générale, voilà, des bonnes remontées. Alors, on se retrouve demain. On va essayer de regarder pour faire deux lives différents. Je vous tiens informé. Sinon, bah, voilà, on fera de cette manière-là, avec un plan partie serrée et un plan global. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. On vous souhaite une très bonne soirée. Et puis à demain. Au revoir Roger. Bonne soirée Virgile et bonne soirée à vous tous. Merci.